Cela ressemble étrangement aux marais d'île, mais ce ne sont pas les marais d'île. Abandonnés depuis plus de 10 ans, les 11 hectares des marais de la Biette à Gauchy renaissent après plus de 1 an d'aménagement et de dépollution. En effet, ce lieu emblématique de Gauchy a été depuis le 19e siècle le cœur économique de la cité. Gauchy est né ici. C'est vraiment que là que Gauchy a pris son essor, de par l'usine Ronde-Poulenc, qui ensuite a amené les cités du haut et du bas, comme on appelait à l'époque, les cités Ronde-Poulenc, la cité des ingénieurs. Après, il y a eu l'église, il y a eu le cimetière, mais c'est vraiment que là où Gauchy après est né. Un lieu magique aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant près d'un siècle, les marais de la Biette étaient une zone industrielle, avec ses qualités mais aussi ses défauts. La nature reprend ses droits petit à petit, mais il aura fallu plusieurs mois d'aménagement et d'études environnementales pour résoudre certains problèmes. Il a déjà fallu une année complète d'études de la faune et de la flore sans influence humaine pour savoir ce qui s'y trouvait. Et ensuite, c'est plus du côté technique, essayer de rendre le site sécurisé, de créer des chemins, imaginer des panneaux, imaginer l'entrée et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a encore eu une demi-année de travail derrière. Si vous voulez, d'un point de vue écologique, nous ici on a 2 roselières qui font 1 hectare chacune. Donc quand on voit maintenant la disparition des roselières, c'est quand même assez important de les protéger. Et puis là on va travailler cet hiver pour dire vraiment de les réouvrir et puis pour faire quelque chose de bien propre et puis d'un point de vue écologique vraiment mieux. Et c'est qu'il y a une mosaïque d'habitats, en quelque sorte il y a énormément d'habitats différents. On retrouve un bassin, des roselières, des carissés, du boisement, des prairies. Sur 11 hectares, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est aussi assez remarquable, puisque c'est quelque chose qui a existé durant les 10 ans d'abandon, puisque c'est des milieux qui ont tendance à aller vers la forêt, mais ils existent encore. Donc ça prouve qu'ils sont bien implémentés sur le site et qu'ils sont très intéressants aussi.